sommes avec vous parce que votre nouveau film, c'est une histoire de regard. Et puis, en même temps, ce titre-là, c'est le regard d'un photographe que vous décrivez, que vous analysez même. Et on peut dire que c'est aussi le regard d'un cinéaste que vous portez sur, justement, le regard de... Voilà. Donc, moi, j'aimerais vous dire que cette histoire de regard, c'est... Pour moi, c'est, j'ai l'impression que c'est une biographie photographiée. Donc c'est de la photo, mais en mouvement. Et c'est fabuleux le travail que vous faites, parce que je n'ai jamais vu ça au cinéma. Vous faites une recherche, même une reconstitution, de savoir mais comment les photos ont-elles été prises, quel était le parcours. Donc vous reconstituez la vie d'un photographe célèbre, qui est célèbre par ses photos, mais pas automatiquement par son nom dès le départ, Gilles Caron. Oui, Gilles Caron, il y a une génération qui le connaît, c'est-à-dire les gens de 50, 60 ans le connaissent, parce que c'est vrai qu'il a été extrêmement connu entre 65 et 1970. Et puis par contre, la jeune génération le connaît, voilà, n'ont pas vraiment forcément entendu parler, même si effectivement on connaît ses photos, parce que la très célèbre photo de Cohn-Bendit et du policier, elle représente les 68 en France et partout dans le monde. Donc il y a comme ça des photos qu'on a gardées en mémoire, mais pas forcément son nom. Voilà. Alors ça fait 10 ans que la Fondation Caron en fait a ressorti les photos, a travaillé à les numériser, à faire des expositions. Donc on commence petit à petit, il y a une grande exposition à l'Hôtel de Ville, enfin, voilà, qui fait que maintenant on commence un peu à le connaître. Mais ça reste encore un photographe trop méconnu par rapport à son travail, à son œuvre qui est absolument magnifique. Ah oui, le film est splendide, ouais. Les photos sont splendides. Le travail que vous faites, c'est vrai que par rapport peut-être à l'Assemblée, votre film précédent... Ah ben c'est très différent. Voilà, le travail n'est pas du tout le même. L'Assemblée, vous aviez juste à saisir des moments, des témoignages, des choses comme ça, ce qui se passait. Et là, il a fallu vraiment que vous fassiez un travail de fourmi. Oui, c'est-à-dire que moi, dans mon travail, dans mes films, il y a un peu de veine, on va dire. Enfin, il y a les films que je fais plutôt sur le collectif, la façon dont les collectifs laissent la place à la singularité, dans des films plutôt de cinéma direct. Hein, donc j'ai filmé un collège, j'ai filmé dans une prison, j'ai filmé l'Assemblée, effectivement, Nuit debout, cette tentative de démocratie, j'ai filmé une entreprise qui essaie de se transformer en coopérative. Enfin voilà, des histoires qui sont liées à ça, et puis d'autres, comme Histoire d'un secret et Histoire d'un regard, qui est un peu comme un deuxième volet, en fait, de ce qui serait un diptyque sur la disparition, sur... autour de ça, donc dans Histoire d'un secret, j'essayais à travers la peinture de ma mère de lui redonner une forme de présence, puisqu'elle a disparu, elle est décédée à 30 ans d'un avortement clandestin, mais moi je pensais que c'était une disparition, puisqu'on m'avait pas dit qu'elle était morte, donc pendant longtemps c'était comme une disparition. Et à travers ses œuvres, dans ce film, j'essaye vraiment de lui redonner une forme de présence, l'œuvre étant comme la trace de quelque chose, la trace de quelqu'un, la trace d'un sujet qui a fait quelque chose, quoi, qui a regardé. Et dans Histoire d'un regard, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Gilles Caron a disparu à 30 ans, et il a laissé derrière lui des photos magnifiques, et au fond, j'essaie de retrouver quelque chose, de lui redonner une présence, de lui redonner même un corps. Parce que le sang présent. Voilà, c'est ça, exactement ça. Je ne sais pas comment vous avez réussi à rendre C'est justement en cheminant avec lui, en essayant de me remettre dans ses pas, et de faire en sorte que le spectateur aussi se remette dans ses pas, dans les lieux qu'il a photographiés, que ce soit Jérusalem pendant la guerre des six jours, que ce soit d'Eric, enfin, qu'on ait la sensation d'être là avec lui. Donc c'est à la fois ça fait réexister les événements qu'il a photographiés, mais ça le fait réexister lui comme photographe, dans une espèce de présence, absence en même temps, mais une présence quand même. Donc, justement, moi ce que j'ai ressenti quand on fait de la photo, quand on fait des films, le travail que vous faites comme cinéaste, on a l'impression que justement le regard c'est aussi le vôtre, parce qu'il est axé pas de la même façon, mais on sent que vous faites ressortir l'essentiel de ce que lui a voulu faire ressortir aussi. Alors c'est le propre ça de quelqu'un qui a un appareil photo ou une caméra dans les mains. C'est-à-dire le travail ça consistait d'abord à remettre tout en ordre, parce qu'il avait donc l'agence Gamma en fait recevait les rouleaux de pellicule, hein. Alors pour ceux qui connaissent que le numérique, ça peut paraître un peu bizarre, donc j'essaye de faire comprendre ça un peu dans le film. Donc recevez des pellicules,
mettait des numéros avant même de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc en fait, les numéros, ils ne correspondent pas à l'ordre voilà. dans lequel les photos étaient prises. Oui, vous le démontrez justement lors de mai 68 voilà. avec les photos de Cohen voilà. Bendit. Et donc mon premier travail, ça a été de retrouver pour chacun des reportages l'ordre dans lequel, voilà, Caron a pris ces photos de façon à pouvoir justement cheminer et comprendre son regard. Donc ce travail-là, il a été colossal. Ça a été six mois de travail. Très chronophage parce qu'il fallait à la fois croiser les photos, parce qu'en plus il avait trois boîtiers hein, avec trois focales différentes, donc voilà, tout ça fallait le croiser, etc. Me replonger dans l'histoire de ces événements, que ce soit la guerre du Vietnam, la guerre des six jours, de façon très précise, me replonger dans les cartes des villes, accumuler plein d'anecdotes pour savoir qui est celui-là, c'était très très intense. Et puis après ça, il a fallu prendre de la distance. C'est-à-dire que pour ne pas me noyer dans toute cette masse de choses que j'avais découvertes, passionnantes, etc., il fallait prendre de la distance. Et c'est là que le scénariste Jérôme Tonnerre m'a beaucoup aidé pour pouvoir construire un film qui permette au spectateur de cheminer comme ça, à la fois physiquement avec lui, mais aussi dans ses questionnements de photographe. Oui, voilà, parce que je suppose qu'il était au départ difficile de choisir les périodes, parce que avec toutes les planches contact. Il y a évidemment des événements extrêmement importants. Donc c'est la guerre des six jours, c'est quand il photographie ça. Donc c'est le premier photographe à arriver au mur des lamentations avec l'armée israélienne. C'est le premier à faire ces photos-là. Donc c'est ça qui le rend extrêmement célèbre. Et la manière dont il y arrive, c'est très intéressant en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est à la fois le fruit du hasard. Mais c'est aussi le fruit de toute son expérience, parce que lui, il a fait la guerre d'Algérie, donc il sait ce que c'est qu'un conflit, il sait ce que c'est qu'une armée, il sait comment parler aux soldats, il sait comment arriver, donc il trouve une voiture, il fait monter les soldats, enfin bon, on en trouve des traces dans les photos, donc c'est assez passionnant. Et son regard a été affûté justement en Algérie sans appareil photo. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se façonne le regard. Voilà, c'est de regarder les choses. Il aurait eu envie, des fois il dit dans les lettres, j'aurais bien aimé pouvoir prendre des photos, mais il ne pouvait pas, quoi, il n'a pas pu témoigner. Donc il a très envie, il sait comment faire, donc s'il arrive au mur des lamentations avant tout le monde, ce n'est pas juste parce qu'il a de la chance, c'est parce qu'il connaît, il sait ce que c'est que la guerre, il a besoin, il a une nécessité de la photographier. Et en plus, il est hyper débrouillard. Il arrive donc à être le premier photographe à faire cette photo. Donc, une photo, c'est toujours à la fois le fruit d'une expérience, d'une connaissance, et aussi le fruit du. Il y a aussi une forme de chance, hein, mais pas que. Quoi. Non, ça, pas que. C'est vrai qu'une photo, il y a de l'instinct aussi. Voilà, mais l'instinct, il se nourrit de l'expérience. Voilà, il n'y a pas d'instinct comme ça. C'est-à-dire qu'on peut savoir ce qu'on veut faire ressortir quand on voit les regards, quand on voit les visages. Puis l'instinct, il se nourrit de l'expérience. Voilà. Quelque chose. Voilà. Dans chaque reportage, je chemine avec lui, et à chaque reportage, des questions nouvelles surgissent pour Gilles Caron, parce que Gilles Caron, ce n'est pas un théoricien. Il n'a pas fait d'école de photo, il a fait la guerre, c'est ça son école d'une certaine façon. Et après la guerre, très vite il devient un grand photographe, et donc il est confronté à toutes les grandes questions que peut se poser un photoreporter ou un documentariste d'ailleurs, à un moment donné, face à des choses terribles qu'il peut voir, c'est à quoi je sers, qu'est-ce que je fais. Et tout ça, on le sent dans ses photos, tout ça se raconte par ses photos. Moi j'ai tenu à ce que ce soit, à raconter tout ça à travers ses photos, et jamais, je ne suis pas sémiologue, je ne suis pas experte, j'ai fait le pari que tout se racontait par les photos, ou en convoquant un historien de Jérusalem, ou quelqu'un qui l'a photographié, mais c'est toujours en partant des photos. Est-ce que, comme le début du film, vous avez découvert son œuvre comme ça? Ah oui, vraiment. C'est-à-dire que ça c'est pas... Vous étiez comme n'importe qui, vous connaissiez que ses photos exactement, célèbres. Exactement. Voilà. Ça paraît un peu... Je me mets pas en scène de façon on extrêmement... On ne peut pas tout savoir. Et j'ai tenu à le mettre parce que justement, mes autres films n'ont pas vraiment à voir avec la photo, etc. Je ne suis pas une experte de la photo, je ne suis pas historienne, et je voulais que... Je n'ai pas de légitimité, en fait, d'une certaine façon, à parler du photographe Gilles Caron. Je ne suis pas photoreporter, je suis cinéaste, mais je n'ai jamais été plus loin que la frontière belge. Donc voilà, je n'ai pas une légitimité. Et je pensais que c'était important de dire, voilà pourquoi je me suis intéressée à ce photographe. Et je pense qu'on est tous légitimes à s'intéresser à tout, de toute façon. Mais
C'est important de montrer où ça s'accrochait, en fait. C'est-à-dire pourquoi tout d'un coup ce photographe m'intéresse. Et donc c'est vraiment ça, j'ai vraiment eu ce livre entre les mains, que m'a offert Jérôme Tonnerre. En fait, bon, ça, c'est là-dessus que c'est pas un ami, c'est Jérôme Tonnerre qui est venu travailler avec moi sur le scénario du film. Et c'est vraiment. Voilà, je feuilletais, je me dis, mais pourquoi il pense que ça peut m'intéresser? Parce que voilà, la guerre, c'est pas du tout quelque chose que j'ai photographié, que j'ai filmé. Et puis c'est vraiment en arrivant à la fin, quand tout d'un coup je découvre qu'il a disparu, et qu'en plus sur sa dernière pellicule, il y a les photos de ses petites filles emmenées dans un jardin en hiver, et ça fait écho à des dessins que ma mère a fait de ma sœur et moi. Et là, clac, il y a un truc qui s'enclenche, un désir qui se met en route, qui après est conforté par quand je regarde les photos, les planches montagnes de Cohn-Mendy. Et puis là après je suis happée par le sujet et puis par toutes ces photos, par le désir. Du coup la famille et la fondation du coup tout de suite sont partis avec vous, voilà, quand voilà. Ils ont senti que vous aviez envie-là. Oui, c'est-à-dire que Marianne Caron, sa femme, donc elle a eu beaucoup de demandes de documentaristes, mais elle n'avait pas envie d'un film, je crois, qui soit une espèce de biopic, un peu, voilà, elle n'avait pas envie de quelqu'un qui raconte trop sa vie dans le détail, enfin. Et moi, je lui ai dit tout de suite, moi, je ne vais pas raconter sa vie, etc. Je vais m'intéresser aux photos. C'est dans les photos que je veux trouver le récit du regard de Gilles Caron. Ce n'est pas en allant interviewer un tel. Non, c'est dans les photos, avec des dispositifs différents. Voilà, voilà. Tout son parcours, qui est très riche déjà. Voilà, très, voilà. Et ça lui a donné confiance. Et donc, elle m'a confié avec sa fille, enfin ses filles, le disque dur avec toutes ses photos en me disant, fais ce que tu veux, comme tu veux. On te fait confiance. Ça, c'est extraordinaire. Ce qui est étonnant aussi dans votre film, c'est que vous retrouvez des personnes qu'il avait prises en photo. Ouais, ouais. Donc, c'est le fait du hasard, ça ou... Ah non, ça non plus, voilà, il n'y a pas de hasard. Non, voilà. Il n'y a jamais de hasard. C'est qu'avec l'Institut, peut-être... Voilà, non, en fait, donc je m'étais dit, donc pour chaque reportage, j'essaie de mettre en place un dispositif, enfin un mode de récit différent pour que... Oui, quand on est en Irlande... Voilà, c'est jamais la même chose, c'est pas du tout répétitif, c'était très important, je voulais vraiment que ce film ait une dimension romanesque, et voilà. Et pour l'Irlande, je me suis dit, c'est vraiment un reportage où on sent qu'il a fait... La cause, d'abord, il y va sans avoir de commande, parce qu'il pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est assez unique dans son travail. Et puis, quand il arrive, et que très vite, il y a le conflit qui photographie d'abord la procession des protestants, et puis très vite, il y a les choses s'enflamment et tout. Et là, il va passer du côté des catholiques. Donc là, pour une fois, il passe vraiment... il prend fait et cause pour quand même une jeunesse qui le touche vraiment. Il prend énormément de photos, c'est-à-dire que là, il prend 3000 photos, alors qu'il y passe 3 jours, et au Vietnam, il en a pris 6000, alors qu'il y a passé 3 mois. C'est pour dire que, oui, voilà, il y a quelque chose là, ouais, il y a quelque chose là qui le prend, je pense qu'il aurait une caméra, il aurait filmé, quoi. Enfin, il y avait quelque chose, là, il rentre complètement, jour et nuit, photographie, etc. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui l'a vraiment touché, c'est chez les gens, et donc, moi aussi, j'ai envie d'aller les revoir, voir qu'est-ce qui l'a touché, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça le point de départ du fait que je vais à la recherche des gens qui l'a photographié. Oui, parce que les deux sœurs que vous rencontrez du frère, oui, qui est arrêté pendant les manifestations, oui, pendant les élections. Oui, alors ça, je pas. Voilà, Et après, ça vous ne pouviez pas le prévoir. Pas du tout l'imaginer. Prévoir, voilà. Est-ce que j'avais pas dû. Alors donc on a fait paraître des photos, des petites photos dans un journal. Ah, est-ce que vous reconnaissez? Vous avez voilà. Un peu. Voilà, ah oui, complètement. Voilà. Et puis en fait, là où j'étais très étonnée, c'est que très peu de gens ont accepté de témoigner parce que les gens ont peur aujourd'hui encore de témoigner. Ce que vraiment, ce dont je ne me doutais pas du tout, c'est qu'il y a encore c'est encore brûlant, quoi. C'est un sujet extrêmement brûlant. Donc avec le Brexit, évidemment, ça ne va pas être simple. Mais en fait, c'est ça. En fait, ce qu'a photographié Caron, alors qu'évidemment, la guerre des six jours, le mur des lamentations, la destruction du quartier devant, enfin. C'est des plaies, quoi, ouvertes encore, c'est-à-dire c'est des moments de l'histoire qui, au fond, c'est il y a 50 ans, mais c'est encore extrêmement vif aujourd'hui. Oui, c'est extrêmement présent. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on voit la genèse de quelque chose qui est encore en train d'avoir lieu, finalement. Oui, mais en même temps, comme ça, le fait qu'il y en ait peu, justement, de témoignages ou de retrouvailles, justement avec ces gens-là, ouais, renforce le film et renforce les photographies que l'on voit. Ouais. Parce qu'on s'attarde, justement on parle de regard, mais le regard des personnes que l'on voit dans le... Ouais. Même quand il y a les manières, il y a à la Sorbonne, les photos qui sont prises des étudiants, le regard de toutes ces femmes, ça en dit beaucoup aussi. Ouais. Donc c'est pour ça, lui il a fait ressortir le regard
de son regard. Oui, oui, c'est ça. C'est une mise en abîme. Oui, parce qu'il y a moi qui regarde Caron, qui regarde des gens qui le regardent. Oui, donc on peut se perdre. Oui, c'est... Mais dans le film, vous nous emmenez naturellement vers tout ça. Et c'est vrai que c'est un vrai travail. Combien d'heures vous avez passé ou alors est-ce que vous avez passé les 2 années après l'Assemblée En fait, j'avais écrit le projet avant. Vous avez déjà commencé. Voilà, j'avais écrit le projet avant et toute la recherche avant l'Assemblée. Et puis donc, on a cherché les financements. J'ai eu tout de suite l'avance sur recette qui permet une partie du financement, mais on n'arrivait pas à trouver le reste. Et donc, en attendant que mon producteur trouve le reste, moi, je me suis mis à faire l'Assemblée parce que j'avais envie de filmer. Et donc, voilà. Et j'ai fait l'Assemblée. Et à la fin de l'Assemblée, mon producteur a dit, bon, on n'a pas trouvé le reste, mais je vais moi-même mettre l'argent pour pouvoir faire le film. Donc, en fait, mon producteur, c'est beaucoup... C'est toujours le même producteur avec qui je travaille depuis 20 ans. Mais là, en fait, c'est parce que c'est de plus en plus difficile de produire des films. Et justement, vous avez été productrice. Alors pour l'Assemblée, c'était mon compagnon qui était producteur. Mais sur d'autres films avant. Non, jamais. Alors il y a des erreurs sur certains sites. Non, j'ai jamais été productrice. D'accord. Non, parce qu'on vous cite comme productrice. Ah bon. Certains, je ne sais plus lesquels, mais quand j'ai regardé ça, je ne connais pas de moi-même. Non, peut-être qu'on vous assimile justement. Non, en assemblée, c'est mon compagnon qui. Alors évidemment, comme lui et moi, c'est pas quand même moi qui gérais tout ça, c'est lui qui a géré ça. Ouais. Donc c'est le film sur lequel mon producteur en fait a mis du fonds de soutien le plus, parmi tous les films qu'il a produits, et parce qu'il tenait, on tenait à aller au bout. Donc en fait, j'ai commencé le travail, puis je me suis arrêté 1 an pour l'Assemblée, et puis après j'ai repris le film pendant 1 an et demi à peu près. Alors, c'est difficile, mais une fois le film fini comme ça, vous avez fait vos choix pour la réalisation, après pour les périodes, est-ce que vous, il y a une période de la vie ou par rapport au reportage de Gilles Caron, celle que vous préférez? Qui vous a le plus marqué, L'Irlande, c'est vrai que l'Irlande, c'est... Oui, moi, c'est l'Irlande, moi aussi. Oui, vous aussi, il y a quelque chose... Je pense qu'il est... Oui, c'est vraiment l'Irlande, moi, qui m'a effectivement extrêmement... D'ailleurs, j'ai commencé, donc à part la photo que Samuel Goldman dit, c'est le reportage que j'ai commencé, par lequel j'ai commencé pour remettre en ordre, alors que ce n'est pas le premier. J'ai commencé par l'Irlande. Parce que moi aussi, il y avait quelque chose qui me fascinait dans ces photos d'Irlande, dans toute cette jeunesse, puis la manière, parce qu'il en a fait plein, donc vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans un film. Enfin, une fois qu'on a remis dans l'ordre, sinon on comprend rien. En plus, ça se passe dans un tout petit quartier, c'est quatre rues, quoi. Et il tourne comme ça, voilà, il repasse, il remonte, il monte sur l'immeuble, il redescend, il refait les carrefours, il repasse 3 fois, ça repart, c'est sans cesse, quoi. Et c'était très, très fascinant. Ça pourrait faire un film d'animation? L'enchaînement des photos. Ah oui, oui, des fois, il y a quelques moments où je joue là-dessus, mais là, c'est plutôt Adacto Vietnam, où il fait des mini-trails, comme il dit. Oui, voilà. Là, effectivement, c'est très, très cool. Parce que là, quand il y a danger, il faut mitrailler. Même avec son appareil photo. Donc, quel est le sentiment que vous avez sur les... Parce que c'est vrai qu'il y a... Après, il y a un autre reportage qui m'a beaucoup touché, c'est les prostituées, au Vietnam. Cette scène... qui est vraiment, on est très très loin du scoop, on est très loin de l'événement. C'est, on va dire, les effets terribles des guerres sur les femmes, parce que c'est souvent comme ça, c'est les viols bien sûr, et aussi la prostitution, parce qu'il n'y a plus, économiquement, la vie est plus viable, et qu'est-ce qui se passe? Les femmes se prostituent, ça va souvent ensemble. Et je trouve très très touchant la façon dont ils s'intéressent, on voit comment ils s'intéressent petit à petit, et à un moment donné, il arrive à saisir un groupe comme ça et à photographier ces femmes, et je trouve que c'est très très beau. Parce que le fait que ce soit un groupe, c'est quand même intime. Ouais. C'est un photographe qui photographie beaucoup les femmes. Ouais. Et pas juste pour leur beauté, quoi. Il photographie les femmes et pas juste les grandes actrices. Il photographie. Les prostituées qu'il photographie, elles ont une force aussi forte que les grandes actrices qu'il va photographier. Il a vraiment un regard sur la condition féminine où ces femmes qui courent. Pendant 1968, cette rangée de femmes. Vraiment, c'est un photographe de femmes, je pense. Et qu'est-ce que vous avez comme sentiment par rapport à l'expression le choc des photos? Parce que c'est vrai que lui, beaucoup été dans Match. Pour vous, ça évoque le choc des photos? Justement, un photographe comme lui
Parce que ce n'est pas le choc complet, ouais, mais il y a... C'est... Oui, oui, il y a des fois moi, des chocs. Moi, je me suis surpris à être ému dans le film. Oui, oui, oui. Donc, Non, non, mais des fois, il est... Alors, je trouve que ces photos, par leur composition, par l'attachement qu'il a aux gens qu'il photographie, par la manière dont il leur laisse un espace pour exprimer quelque chose d'eux, qui ne soit pas que l'événement, par la manière dont... il y a tout, enfin, ce que je dis, il y a toujours quelqu'un dans ces photos, c'est-à-dire qu'il y a toujours un individu et pas seulement la situation et pas seulement l'événement. On n'est pas que dans le choc. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui vous regarde d'ailleurs souvent, qui regarde Caron, mais du coup qui nous regarde. Et il y a une relation qui se crée qui fait qu'il n'y a pas que le choc. Mais c'est vrai que c'est Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Caron, des fois, il avait deux reportages dans Paris Match. Quoi. C'était extraordinaire. Et alors, Paris Match faisait vivre quand même le photoreportage. C'était important qu'il y ait des revues comme ça. Donc c'est... Mais je trouve que ces photos ne sont pas choquantes. Non. Elles sont... Non. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un... Elles interpellent. Voilà. Elles interpellent. Ouais. Elles... On n'est pas que dans le choc. On est ému, quoi. Ouais. C'est pas choc pour ouais. choc, quoi. Absolument. Donc, moi, il y a des photos, une série de photos qui m'a aussi beaucoup plu. C'est celle que je la connaissais pas, celle-là. C'était celle où, dans le désert où tous les hommes, toutes les personnes qui sont mortes sont au sol et avec ouais. rien autour. Ouais, ouais. Ça, c'est... Oui, alors ça, c'est il y a deux, trois qui sont montrées ouais. et rien qu'à elle parle ce qui reste, quoi. Cette solitude, oui. Et je pense que ça, il l'a vu aussi oui. pendant les guerres. Ça, il photographie quelque chose qu'il a vu. Des choses qu'il a vues, oui. Parce que c'est que les guerres se répètent. Ouais. Donc, du coup, lui, il a dit, j'ai pas pu témoigner en Algérie. Oui, je pense que vraiment, la guerre d'Algérie, c'est pour ça qu'il y a, ces lettres donc, qu'il a écrites à sa mère. La guerre d'Algérie, c'est vraiment un moment traumatique qui est sûrement fondateur de son désir d'aller photographier la guerre, de, à la fois de sa capacité à le faire et de son désir, parce qu'il veut montrer quelque chose qu'il n'a pas pu montrer, qu'il n'a pas pu raconter, et il le fait en allant photographier la guerre. Mais c'est aussi quelque chose qui le... Comme c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a toujours des jeunes hommes qui sont au départ très contents d'aller à la guerre, que ce soit... Biafra, que ce soit au Cambodge, que ce soit... Il y a toujours cette espèce de... Voilà, et puis après, toujours l'horreur, quoi. Et c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même scénario, et je pense qu'il n'en peut plus, quoi. Et au Cambodge, on voit bien qu'il n'en peut plus, il photographie que ça, il y a quelque chose de mécanique, presque, même si c'est très émouvant, ce jeune garçon qui... Mais il y a quelque chose, même de la mécanique, quand il photographie ses défilés, des gens qui défilent, il reste... Je crois que cette mécanique, il n'en peut plus, quoi. Et c'est ça aussi qui fait qu'à mon avis, il n'a plus de chance, parce qu'il n'y croit plus. Parce que justement, à un moment donné, il aurait eu, pour faire terminer, il aurait pu avoir la facilité, puisqu'il photographiait des stars, des présidents de la République, des ministres, oui, il aurait pu avoir la facilité de se cantonner à ça. Oui. Mais ça, je pense qu'il n'aurait pas fait non plus. Je pense, c'est une hypothèse, que peut-être il aurait fait du cinéma, que peut-être il serait allé filmer des gens, mais plus dans une démarche documentaire que de photoreporter. En tout cas, nous, on vous remercie pour ce film, un documentaire d'un genre différent. Donc, et en même temps, on découvre en même temps, comme vous l'avez découvert, Gilles Caron, qui est un photographe qui a marqué notre temps, on peut le dire. Ouais. Voilà. Merci Mariana beaucoup. Otero. Merci. Et le film sort le 29 janvier. 29 janvier, c'est absolument, ça. 29 janvier. Merci.